Bonsoir, je n'ai pas d'intro. No god will ever again come to your aid. This crime is familiar to me. Like he's not going to go away. Like he's not going to screw up. Not if I kill it first. You are the wildest, most gorgeous thing I've ever seen. Nobody deserves you. But at least I know our children will be beautiful. Luke Evans naît le 15 avril 1979 à Pontypool au Pays de Galles. Il est élevé comme témoin de Jéhovah par ses parents. À ses 16 ans, il abandonne religion et scolarité et il se casse pour aller prendre des cours de chant. Voulant participer à des comédies musicales, il ira au London Studio Center de 97 à 2000. Après un début très remarqué sur les planches pendant 8 ans, le court-métrage Coward and Monster le propulsera directement à Hollywood où il y enchaînera les tournages. Rien qu'en 2010, on le verra apparaître dans 4 films. En 2011, il commence à être un peu plus mis en avant. Blitz d'Eliot Lester, thriller avec un Jason Statham en flic aux méthodes un peu douteuses. Sergeant Brandt, in the last year, you've been charged with bugging the superintendent's office, beating a felon unconscious in a billiards hall, and just last week you assaulted 3 innocent youths with a hockey stick. And should I go on? Mais virez-moi ce con, putain! This is the only work I can do. If I get bounced, I'm sure I'll do something truly reckless. Oh non, on va le garder! Oh, tu veux pas devenir CRS des fois? Ils en recherchent des comme toi! Pendant ce temps, un tueur en série se met à buter des flics un par un, narguant au passage les forces de l'ordre. Oui, vous avez bien reconnu Aiden Gillen, alias Littlefinger dans Game of Thrones. En aparté, Elizabeth, une flic et aussi ancienne junkie, tente d'aider un délinquant qui pense avoir tué quelqu'un pendant un racket. Elle mènera une enquête pour connaître l'état de la victime et demandera l'aide de l'inspecteur Stoke, joué par Luke. Il enchaînera la même année avec Les 3 Mousquetaires de Paul Anderson, où il jouera... Les Immortels de Tarsem Singh. Ici, Luke est un dieu de l'Olympe. Là où dans Le Choc des Titans, on l'a vite fait vu en dieu Apollon, dans Les Immortels, il obtient une sacrée promotion en jouant Zeus. On y retrouve aussi Henry Cavill en tête d'affiche incarnant Thésée. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ça sera son tout premier rôle principal dans un film. Nouveau rôle d'inspecteur pour Luke dans un autre thriller. The Raven de James Mattag. Edgar Allan Poe est un écrivain d'horreur et dans ses romans, ses scènes de crime ne manquent pas d'originalité. Un de ses fans décide de devenir tueur en série en reproduisant les meurtres commis dans les livres. L'inspecteur Field, chargé de l'enquête, va donc collaborer avec l'écrivain en essayant de trouver une logique entre les romans et les crimes commis pour arrêter ce psychopathe. Premier rôle principal pour Luke dans un autre thriller horreur, No One Lives de Rei Kitamura. Oh, si t'aimes bien les films d'horreur, tu devrais kiffer. Fast and Furious 6 de Justin Lin. Il y sera Owen Shaw, boss d'un groupe de mercenaires qui, vous l'aurez sûrement deviné, sont tous des as du volant. Pendant le tournage, il s'est passé un truc assez drôle. Notre cher The Rock a involontairement mis des voleurs en fuite. Ils essayaient de braquer une camionnette remplie de matos. Il était en train de faire tranquillement une scène de course-poursuite, jouer un flic. Il avait un gilet pare-balles et un faux gun au poing. Il est sorti en trompe de nulle part, pas loin des voleurs. Alors, il ne les avait même pas remarqués. Mais eux, en le voyant arriver comme un dératé... Run. Tu m'étonnes. Au départ, c'était Jason Statham qui devait jouer Owen Shaw. Mais finalement, ils ont fini par choisir Luke Evans. Sûrement qu'ils se sont dit que le rôle de son grand frère Tarek Ian Shaw dans le 7 lui irait mieux. Et effectivement, on ne peut pas le nier, on sent bien le rôle à la Statham. On peut dire qu'à ce stade, il s'est fait une place. D'ailleurs, c'est lui qui devait avoir le premier rôle dans Only God Forgives. Mais il a dû faire un choix quand on lui a proposé un autre rôle pratiquement au même moment. The Hobbit. So, you know... it just is a little... You know, what do you do? A trilogy... Peter Jackson, a year in New Zealand, killing Benedict Cumberbatch. I mean, the dragon. Le Hobbit, la désolation de Smaug et la bataille des cinq armées de Peter Jackson. Il sera Bard, homme dévoué au peuple de Bordulac et descendant de Girion, qui fut le dernier seigneur de Dale, cité détruite il y a de ça 200 ans par le dragon Smaug. Une bestiole de 18 mètres dont les écailles étaient tellement dures que seule une flèche noire tirée avec une arc-lance pouvait en venir à bout. Malheureusement, les guerriers de Dale n'ont jamais réussi à transpercer Smaug. La légende raconte cependant que Girion aurait quand même réussi à déloger une écaille et qu'un nouveau tir à cet endroit pourrait tuer le dragon. Peu de personnes croient en cette histoire, mais Bard conservera cachée la dernière flèche noire qu'il utilisera s'il devait un jour affronter Smaug. Petite anecdote, Benedict Cumberbatch sera gâté niveau rôle de méchant avec Smaug. Well, thief, I smell you. I hear your breath. I feel. Mais pas seulement. Oui, oui. Sauron aussi. Oh.
En 2014, Luke sera en tête d'affiche du film Dracula Untold de Gary Shore. Le prince Vlad règne dans une Transylvanie en paix jusqu'au jour où le sultan Mehmet demande que 1000 jeunes hommes, dont le propre fils de Vlad, soient arrachés à leur famille pour venir grossir les rangs de l'armée turque. S'ils refusent, ils se feront terrasser par l'armée du sultan. Vlad sait qu'une créature démoniaque vit dans une caverne et ne voit plus qu'un seul moyen pour avoir la puissance de terrasser ses ennemis et sauver son fils, aller voir cette créature qui le transformera en vampire. Message from the King de Fabrice Jewels avec le regretté Chadwick Boseman en tête d'affiche. Histoire de drame familial mêlant gangster et mafieux. En 2017, il vivra certainement sa meilleure vie, lui qui aime univers fantastique et comédie musicale à la Lionhead Serbie. La Belle et la Bête de Bill Condon avec Luke dans le rôle de Gaston. Film qui offre à leurs participants plusieurs retrouvailles, entre Luke Evans et Ian McKellen qui se retrouvent après le Hobbit, et idem pour Emma Watson et Emma Thompson après Harry Potter. Plusieurs comédiens n'en sont d'ailleurs pas à leur première participation chez Disney. On trouvait déjà Emma Thompson dans L'Ombre de Marie et dans Rebelle où elle doublait la reine Aliénor. Josh Gad qui a doublé Olaf dans La Reine des Neiges, mais aussi Kevin Kline qui a prêté sa voix à Phoebus dans Le Bossu de Notre-Dame. Kevin Kline pour les anciens qu'on connaît surtout dans Wild Wild West. Pour l'ensemble du tournage, il a fallu pas moins de 1500 roses et 8700 bougies pour les décors. 37. Comment ? Les tubes de colle. 37. La Belle et la Bête a fait polémique en Alabama et dans certains pays qui ont refusé de diffuser le film dans les salles parce qu'ils ont jugé que la scène de danse dans le bar suggérant une relation homosexuelle entre le fou et Gaston était trop explicite. Ah là là, 2020, entre les fragiles qui censurent tout et n'importe quoi et ceux qui sont choqués à la moindre vanne que tu peux faire, ah c'était cool les années 90, putain. Tout ça pour dire que c'est complètement con. Au contraire, avec la complicité qu'ils ont, on sent qu'ils ont kiffé jouer ensemble. Il y a des moments, juste leur façon de jouer en duo m'a fait rire. I will feed you to the wolves. Gaston, stop. Breathe. Think happy thoughts. Go back to the war. Blood. Explosions. Countless widows. Widows. Yes, yes. That's it. Et pas que dans le film. Sure, what would you like? People. What would you like us to sing? You're pretty. No, 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 no. How does the next part go? Je ne l'arrête de rien. Come on. Na, na, na. My Wonder Woman d'Angela Robinson, narrant l'histoire d'un professeur en psychologie d'Harvard élaborant la théorie des disques. Dominance, inducement, submission, and compliance. En plus de l'apprendre à ses étudiants, il souhaite en faire un livre. Ses recherches et son expérience dans sa vie personnelle aboutiront aux histoires de notre super Amazon. Outfall de Suzy Ewing en 2018. L'histoire d'un homme qui kidnappe et séquestre une femme. Seulement, on peut voir dès le début dans ses yeux qu'il a plus un regard de haine que de psychopathe. Du coup, quelle est la raison de ce kidnapping? Ah bah tu regardes le film et tu sauras, hein. Murder Mystery de Kanye Wachek en 2019. Avec le combo le plus improbable que j'ai jamais vu. Luke Evans, Jennifer Aniston, Adam Sandler et Danny Boone dans le même film. Un couple d'Américains part en vacances à Monaco et se mettent à jouer les enquêteurs quand ils se retrouvent suspects numéro 1 dans une affaire de crime sur un yacht. Le coupable se trouvant forcément sur le bateau, c'est une enquête à la Crime de l'Orient Express qui se lance. Anna de Luc Besson, film mélangeant KGB, CIA et agence de mannequins. Luke Evans a tout de suite été emballé de se retrouver dans un film de Luc Besson et gardera un super souvenir que ce soit du tournage ou du réalisateur. Voyez plutôt. Il est génial, chaque jour de tournage était un plaisir. Il aime tellement ce qu'il fait. Luke est vraiment sur le plateau, il est derrière la caméra et on interagit avec lui dans l'instant. Chaque minute, il peaufine les choses, il discute, il ne lâche pas la caméra. Il vous dit tout de suite « coupez !» Et on refait, et on refait, et on refait, j'adore ça. La France a vraiment de quoi être fière de l'avoir. Midway de Roland Emmerich. Film sur l'histoire de Pearl Harbor, et principalement les pilotes qui ont donné leur vie, ainsi que les hommes de la transmission qui ont déchiffré les messages codés ennemis. Ce film rend hommage aux vaillants combattants, peu importe leur camp. À part jouer dans des films, Luke chante beaucoup aussi. Et on peut dire qu'il chante bien le bougre. I want you to show me, oh, I want to feel what love means, oh, yeah, yeah, I know you can show me, yeah, oh. Et pour ceux que ça intéresse, il a sa petite chaîne YouTube où il y met ses musiques, clips et albums. Luke Evans en est pour l'instant à un prix sur 6 nominations. Voilà, cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Le prochain sera sur Mike Dara, en particulier sur sa carrière dans le monde du doublage. Au fait, s'il y a des artistes que vous voulez voir dans des épisodes, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse sur ce petit extrait entre Luke et Hugh Jackman. À la prochaine, ciao. Fights like Gaston. In a wrestling match, nobody bites like Gaston. And there's no one as pearly and brawny. As you see, I've got biceps to spare. But I'm not scrawny.
Every last inch of me's covered in hair. Am I Terrence Mullins? In a spitting match, nobody spits like Gaston. I'm especially good.